Souvenir FM. Il est midi. L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Souvenir de Souvenir FM, l'invité du 12-13, en direct dans le studio de Souston. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Miami Song. Bonjour. 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 Bonjour Myriam, bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes venu de Saint-Paul-les-Dax. Mmh. Nous allons parler de votre art qui est vraiment étendu tout de suite après le flash info de la rédaction. À tout de suite. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Vous écoutez Souvenir FM à Souston sur la fréquence 97 ou via le site internet souvenirfm.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Miami Song en direct ici dans le studio à Souston. Vous venez de Saint-Paul-les-Dax, hein, pas de Miami. Ah, et non, que de Saint-Paul-les-Dax. Oui, ça fait rêver un peu ce nom, hein, ma foi. C'est un petit peu voulu d'ailleurs. Mais tout à fait, hein. Donc Miami Song, c'est Miami comme Myriam et Michel, comme Michel. M-Y-A-M-I. Tout à fait. Racontez-nous un peu votre parcours. Michel. Ben non, la place aux dames. Allez, Myriam. Depuis que l'on s'est rencontrés, donc depuis 2018, le temps passe très vite, mais depuis 2018, nous nous sommes rencontrés. Michel est venu m'écouter chanter. Il était en recherche d'une chanteuse. Apparemment, je l'ai séduit dans la voix. Et donc, c'est une rencontre un peu avatar, comme tout ça. À fait. C'est tout comme à fait. Dans le film, vous êtes rencontrés et il y a une énergie qui s'est formée. Voilà. Exactement. Ça veut dire exactement. Que je suis tout bleu, moi. Et donc, depuis, on n'a jamais cessé de travailler, puisqu'on est énormément orienté vers nos propres compositions. Michel donc écrit la musique. Il écrit également des paroles et je me joins à lui également pour écrire des paroles. Voilà. Et Myriam écrit aussi toute seule des paroles. Voilà, c'est plein de paroles, mais c'est aussi plein d'humour. Ah oui, il y a de l'humour, de l'amour. C'est hein? sûr. Parce que vous faites un spectacle, vous êtes présenté même pendant la période Covid ici cette année. Racontez-nous. Nous avons eu la chance d'avoir un hôtel notamment qui nous a ouvert à Saint-Paul-les-Dax, qui nous a ouvert la porte pour pouvoir faire un extérieur. Nous étions limités par la loi pour ne recevoir que 50 personnes. C'était très sympathique, c'était très espacé, mais c'était surtout très très sympathique. Et 50 personnes, c'était toujours le plaisir de jouer devant ces personnes-là juste après la fin du premier confinement. Et pendant plusieurs mois, nous avons eu la chance de pouvoir jouer, alors que d'autres musiciens ne peuvent toujours pas jouer. C'est déjà une grande chance. C'est déjà une grande chance, oui. Et donc, nous avons pris ce plaisir à bras-le-corps et puis voilà, quoi. Nous avions déjà des contrats bien avant et nous en avons eu qui ont été annulés aussi, malheureusement, quoi. Tout à fait. Moi, je propose d'écouter un petit medley. Comme ça, les gens, ils vont pouvoir un petit peu voir oui. ce que vous faites. C'est ça. Nous avons voulu un petit peu donner, non pas une chanson, mais plusieurs chansons pour donner un petit peu l'esprit du Miami Song. Eh bien, on va écouter tout de suite le premier medley. À tout de suite. On se retrouve après. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Moi, ça me plaît bien. Je me sens très bien. Je cherche un lien, j'ai trouvé le tien. Moi ça me plaît bien, je me sens très bien. Ma voix te dit viens, et tu me rejoins. Je suis ton péché, ton petit goûter. En Chevrolet ou en Harley. Ta crème du mois, viens contre toi. Ton tagada, en fraise des bois. Alors je te dis, chérie, chérie. Je t'aime en trop, c'est ça qui est beau. Wouh!
toute désarticulée, personne ne veut de moi. Je suis là dans la vitrine avec mes ballerines. Du matin jusqu'au soir, je vous vois tous passer. C'est un vrai défilé d'une danseuse étoilée. Mais je reste plantée, on m'a dépoussiérée, on m'a rafistolée. Je suis la danseuse déclassée. J'ai tout rangé, tout éclairé, tout parfumé pour un chez-toi, pour un chez-nous. Grand ou petit, pour notre vie, en harmonie de nos envies, pour un chez-nous. Inspiration et création, une passion en partition, pour un chez-nous. J'ai tout rangé, tout éclairé, tout parfumé pour un chez-toi, pour un chez-nous. Folie. Les jeans, les cuirs, les mini, tout était joli. C'était notre défi comme Sylvie, Johnny, les autres, et puis Eddie, sans oublier Elvis. Cha-la-la-la, on chantait comme ça souvent. Cha-la-la-la, on était toujours partant. Cha-la-la-la, je sentais dans le vent, cha-la-la-la, c'était suffisant, cha-la-la. Je n'ai plus peur, je n'ai plus vraiment le temps de faire toujours semblant. Je veux fuir le mauvais temps pour marcher tout droit devant. Porté par le vent dans les bras forts de mon amant, avec la force d'un torrent. Alors oui, je suis décidé, je n'ai plus peur et je le sais. Je jette la clé du passé. Oui, attends-moi là où tu sais. Ça me plaît bien, je me sens très bien. Je cherche un lien, j'ai trouvé le tien. Moi ça me plaît bien, je me sens très bien. Ma voix te dit bien et tu me rejoins. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Nous sommes ensemble dans le studio de Souvenir FM à Souston. Vous nous écoutez sur la fréquence 97 ou via le site internet souvenirfm.fr. N'oubliez pas, il y a aussi la page Facebook Souvenir FM. N'hésitez pas à interagir, à agir, à commenter sur avec nos invités, enfin sur nos invités, on peut toujours poser des questions et puis après on répondra par la suite. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Miami Song. On vient d'écouter le medley, deux voix, magnifique, une belle mélodie. Mais avant, vous n'étiez qu'à une voix. Quel était votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait depuis avant 2018, Myriam? Alors, moi j'ai Mon métier a toujours été animatrice depuis toute jeune. Et de par ce métier, ça m'a permis quand même de pouvoir dériver énormément dans la musique, dans la chanson, dans les One Woman Show également. Voilà. Et c'est vrai que depuis la rencontre 2018, la naissance du Miami Song, que je me suis énormément... Je reste ciblée sur la chanson et la musique. Ouais. Vous êtes des Landes. Tout à fait. Vous avez voyagé, vous avez rencontré des personnalités dans votre métier d'animatrice? Non, pas vraiment. J'ai échangé avec des gens qui exercent dans les Landes, dans le Béarn, dans la Gironde un petit peu et tout ça. Mais j'ai pas eu la chance justement de pouvoir partir loin. Mais je ne désespère pas. Vous écrivez vos chansons? Oui, voilà. Donc, alors, il faut quand même signaler que d'écrire des one-woman shows et d'écrire des chansons, c'est un monde complètement différent. Voilà. Et heureusement que Michel était là
pour quand je lui fais mes propositions de texte, pour essayer quand même de me guider, parce que c'est vrai que ça n'a absolument rien à voir d'écrire des textes de chansons et de one-man show. C'est une technique différente. C'est une technique complètement différente, mais j'y prends énormément goût. Et voilà, ce n'est que du plaisir. Et vous avez une devise ? La devise, bien sûr. La devise, c'est la continuité à fond dans le Miami Song et voilà. Et puis peut-être la naissance d'un CD, mais on en parlera plus tard, je pense. Vous avez avancé toujours, en tout cas, avec l'émotion. C'est une devise chez vous. C'est, tout à fait. On le ressent. Tout à fait. Enfin. Il faut que dans une chanson, le public ne s'ennuie pas et qu'il intègre le maximum d'émotions dans son cœur. Qu'est-ce que vous aimez, vous, écouter ? Alors, j'aime écouter un petit peu de tout, mais quand même énormément dans la chanson française. Ça peut être Barbara, qui m'a quand même énormément guidée. Et puis, il y a également Zaz. Et puis, il peut y avoir Linda Lemay, qui fait partie également de mes grands classiques. Florent Pagny. Voilà, ouverte un petit peu à tout. Et vous, Michel, quel était votre parcours avant de cette rencontre ? Ah, disons que j'ai un parcours assez éclectique et je me suis promené, je crois que la chanson est un peu en moi depuis très longtemps. J'avais déjà dans la famille quelques chanteurs, j'ai une grand-mère paternelle qui chantait à l'Opéra de Bordeaux et puis j'avais des chanteurs d'opérette aussi du côté de ma mère aussi. Donc c'était dans les gènes. C'était un petit peu dans les gènes, j'ai toujours eu envie de chanter et puis au fil du temps j'ai commencé par dans les garages ou dans les caves avec des copains pour chanter. Par la suite, j'ai fait du bal. Et là, on apprend le métier dans le bal, évidemment. Et vous étiez où avant ? Vous étiez dans les Landes ? Alors non, pas du tout. Cela fait maintenant presque 18 ans que je suis dans les Landes. Landais, paraît-il, un Landais d'adoption, c'est sûr. C'est un Landais du cru qui me l'a dit. Maintenant, tu es un Landais. je suis né sur la Côte d'Azur. Je suis né à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Et j'ai voyagé un petit peu, que ce soit du côté de Londres, dans le centre de la France aussi, vers Bourges, Paris. Donc j'ai un petit peu... Vous avez voyagé. Oh, j'ai un peu bougé, oui. Et vos préférences musicales, c'est... Alors, moi, je suis peut-être un peu plus rock. C'est vrai que, bon, Johnny Hallyday, c'est évident que j'ai beaucoup aimé, moins les derniers temps, mais plus ce qu'il faisait avant, ce qui était plus rock. Et après, Elvis Presley, évidemment, le King. Mais je partirai aussi pour ce qui est de l'anglais ou de l'américain, avec les Beatles, les Rolling Stones, David Bowie, Prince, Michael Jackson pour la danse, parce que j'adore danser. Nous adorons danser tous les deux en plus. Et Gary Moore aussi pour le blues, parce que j'adore le blues. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et vous avez déjà joué avec d'autres grands artistes ou bien échangé sur scène ? Alors, j'ai échangé un petit peu sur scène, oui, avec des grands artistes. Mais parce que en tant que j'ai eu l'occasion d'être animateur radio sur la Côte d'Azur, et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc beaucoup, beaucoup d'artistes, dont des gens, un gars qui n'est pas connu, je ne sais pas s'il deviendra connu, il s'appelle Jean-Jacques Goldman, et puis Michael Jones aussi. Et puis, mais ça pouvait aller de voilà, il y a eu aussi Jimmy Cliff, c'était cool avec Jimmy Cliff. C'est vrai. Donc voilà, ah oui, bah, je pense qu'il a dû fumer une cigarette qui n'était pas une cigarette juste avant. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de rencontres, et ça a été énorme, quoi, parce que ça apporte de rencontrer les gens. Il faut toujours bouger, il ne faut pas rester enfermé dans son coin, c'est toujours le conseil que je donne, bouger, aller voir ailleurs ce qui se passe pour après rester soi-même, pour après se chercher soi-même et être soi-même, quoi, dans ce que l'on est. Et c'est ce que nous sommes devenus avec Myriam pour le Miami Song. Je crois qu'on a trouvé notre équilibre et notre identité. Oui, voilà, c'est ça. Sent vraiment, en fait, votre parcours. Ouais. Vous vous êtes nourri de chacun de votre côté. Oui, et c'est, oui. C'est vraiment pour ça que je dis, on dirait un petit peu avatar après, et pour que l'énergie se fasse d'une belle façon. Mais j'aime beaucoup ce principe de l'énergie en plus. Moi, j'adore ça, j'adore tout ce qui est énergie. Et c'est pour ça qu'on adore passer notre énergie avec le public. Et puis de nous-mêmes déjà, lorsqu'on chante certaines chansons, on a cette complicité maintenant qui date de 2 ans. Et c'est par moments, ça n'est pas Myriam,
Bon, alors ça, non, elle s'endort. Elle s'endort. On écoute. On me reproche après de couper la parole. Donc, hein, vous constatez que j'écoute. On boit les paroles. Ben on voilà. Boit. Oh, merci. Arrêtez. C'est trop. C'est pas trop quand même, mais bon. Après, on va dire que je suis bavard. C'est pas vrai. Pas ma peine. Non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Voilà. Et on reste dans cette belle énergie pour écouter le medley numéro 2. Oui, très d'accord bien. Très bien. À tout de suite. À tout de suite. On reste ensemble. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Souvenir FM, tous les tubes, tous les styles. Et durant toute la journée, 6 animateurs qui partagent avec vous l'actualité locale. Votre centre commercial Le Grand Mail à Saint-Paul-les-Dax vous accueille pour toutes vos idées shopping. Découvrez les nouveautés mode, beauté, déco, mais aussi high-tech et loisirs qui embelliront votre quotidien. Près de 80 enseignes, toujours ouvertes. Retrouvez la liste sur grandmail.fr. Au Grand Mail, tout le monde s'y retrouve. J'aurais pu partir sans même qu'on ait pu s'aimer. Sans savoir que t'existais, je serais passé à côté. Allez, viens là, tout contre moi, dans ce chemin où tout est bien. Allez, viens là, viens voir par là, et tu verras comme ça ira. Toi, une femme, un musicien, t'as fait de moi ton paroissien, avec ton regard qui fraude. Nanette Walkman, ma rockin' chaude. Oh oh, Nanette Walkman, hey, ma rockin' chaude. Un geste, un mot de toi, tes yeux, ta bouche, ta main, un regard pour demain. Chavire-moi de câlin, un geste, un mot de toi. Tes yeux, ta bouche, ta main, je t'emmène loin d'ici, dans ma planète infinie. Moi je veux chanter pour ceux qui veulent aimer. Moi je veux aimer pour ceux qui veulent chanter. C'est facile, reprends avec moi ce refrain. La 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 la. Et tu es là sans être là, un pas vers moi et tu t'en vas. Tu me dis oui, c'est pour la vie, mais t'es parti fa sol do mi. Tu me le fais façon tango, faut avancer ou renoncer. Mon corps s'y perd, mes pieds aussi, entremêlés, ensorcelés. On peut tout dire dans une chanson, les mots d'amour et de raison. Partir pour une destinée, oublier les années passées. La seule chose que je veux te dire, c'est en musique que je l'avoue. Un simple mot et sans pâlir, je t'aime, je te le joue. Je t'attendais dans le chemin de ta vie, rien de plus dans ce rêve infini. Tu m'as dit que le temps était ton ami. Adieu, tant pis. J'ai décidé d'ouvrir la porte de ce monde que tu m'avais choisi. Que la vie me rende plus forte dans un vertige qui me sourit. Dans mon corps ça fait dame, dit dame, dame, dame. C'est un truc qu'à bouger, bien enivrant. Je me couche avec, je me lève avec, je n'y peux plus rien. Et c'est très très bien. Économie, économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Nous sommes ensemble dans le studio en direct sur Souvenir FM à Souston. Nous accueillons aujourd'hui Miami Song, hein,
pas de Miami, mais de Saint-Paul-les-Dax, j'allais dire Saint-Vincent de c'est pas loin. Dax. C'est pas loin. Et donc, on vient d'écouter ces chansons, il y a plein d'amour toujours, vous faites les spectacles plein d'humour aussi. Comment vous travaillez, parce que vous composez vous-même vos musiques et vos paroles. D'où vient l'inspiration ? Juste de vous deux ou bien ? C'est très variable. Moi, il m'arrive parfois de me lever le matin. J'ai même pas encore pris mon petit déjeuner. J'ai une idée de musique. Pouf, ça y est. Ou j'ai une idée de parole. J'écris une phrase. Je crois que nous avons une faculté qui est assez intéressante, c'est de pouvoir écrire un peu à la volée comme ça. Dès que nous avons une idée, pouf, ça y est, c'est parti. On écrit. Voilà. Pour raconter une histoire ? Voilà, pour raconter une histoire. Pour c'est toucher important. Les gens. Voilà. Pour toucher les gens, non, pas maintenant. D'abord pour raconter une histoire. On n'a pas forcément cet esprit de vouloir toucher les gens. D'abord, on a envie de sortir quelque chose qui vient de nous au départ. Même si ça vient d'un fait divers, même si ça vient d'un mot que l'on a entendu, même si ça vient d'une émotion aussi que l'on a en soi, on a envie de la mettre sur papier. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Moi, je conseille à tout le monde, d'ailleurs, d'écrire. C'est important d'écrire. On écrit de moins en moins, en plus. Et vous écrivez à quatre mains ? Parfois. Ouais, ou là, bien alors, chacun a ses chansons ? Comment ça se passe ? Non. C'est toute une technique d'écrire une chanson, mais on écrit parfois à quatre mains. Oui, c'est pas simple, ça. Il y a plus de chansons écrites par Myriam ou par Michel ? Alors, moi, si je peux prendre la parole, Michel écrit depuis toujours. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'étais plutôt dans l'écriture des One Woman Show. Donc, je commence un petit peu à sympathiser fortement, hein, mais c'est quand même nouveau. Donc, l'écriture, ça reste encore quand même Michel. Elle écrit très très bien. Oui, disons que j'essaye de faire le maximum. Je pense que je le fais bien, je m'y applique. Mais bon, j'espère que je vais en écrire encore beaucoup plus. Et quand vous écrivez une chanson, c'est un peu comme Michel, le matin, vous dites j'ai envie de partager quelque chose. Le matin, ou bien... le midi ou le soir, pareil. Ah oui, c'est pareil. Oui, c'est une image. Vous mettez à votre bureau en vous disant maintenant je vais écrire. Comment ça se passe ? Non, je ne me mets pas à mon bureau, maintenant je vais écrire. Non, si on me passait commande d'une chanson, ça serait compliqué là pour moi. Non, c'est sur le moment. D'une émotion. Comme dit Michel, une phrase, quelque chose de qu'on a vu, envie de et puis je pense que c'est beaucoup soi-même également, hein. Tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, on a envie de le faire partager, voilà. Et avec donc moi je m'applique énormément à mettre de l'émotion et à raconter une histoire comme dit Michel, parce que ce sont quand même les bases, raconter une histoire pour que le public ne s'y ennuie pas et ait l'impression également de partager l'histoire avec nous. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Non, ce n'est pas une mince Mais affaire. C'est un régal. J'entends la guitare de Michel. Le gratouille. C'est bizarre. Oui, ça le chatouille et ça le gratouille. Ça me donne des idées d'écouter en direct. Oui, alors j'avais pas. Il y a un câble qui manquait, je crois, par rapport à ça. Alors je ne sais pas si on va entendre suffisamment. On l'entend suffisamment, la guitare ? Ça va ? Oui. Voilà, on peut faire un petit truc. Allez-y. Je suis désolé. Hein, c'est votre émission. J'ai la guitare qui me démange. Je ne peux pas rester sans jouer un petit moment comme ça. Il m'arrive parfois de jouer 6 à 8 heures par jour parce que c'est un besoin. La musique, il faut que ce soit un besoin. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale d'ailleurs. C'est comme la gymnastique. Il faut que ce soit un besoin pour tout le monde. Ça donnerait. Et c'est important parce que justement, il n'y a plus beaucoup de culture en direct. Voilà, donc voilà, profitez. Et ça donnerait un petit peu de bonne humeur et d'espoir aussi à beaucoup de monde, ça. Et ce qu'on va vous interpréter, c'est Un geste, un mot de toi. Donc c'est une chanson avec plein d'optimisme, plein d'amour, bien sûr. Que nous avons écrit tous les deux. C'est ça. À quatre mains, on vous écoute. C'est pas n'importe quoi, un seul regard de toi. Pas même une demi-part entier et sans un quart. Juste après un seul mot, comme un premier cadeau, tu inscris de ta bouche ma vie sans retouche. Un geste, un mot de toi, tes yeux, ta bouche, ta main, un regard pour demain, chavire-moi de câlin. Un geste, un mot de toi, tes yeux, ta bouche, ta main,
je t'emmène loin d'ici, dans ma planète infinie. La douceur de ta peau qui caresse mes reins, sans regarder là-haut, je me sens dans le divin. Avec juste 6 cordes, sans que rien ne déborde, j'ai pris tout ton décor dans un de mes accords. Un geste, un mot de toi, tes yeux, ta bouche, ta main, un regard pour demain, chavire-moi de câlin. Un geste, un mot de toi, tes yeux, ta bouche, ta main, je t'emmène loin d'ici, dans ma planète infinie. Nos deux voix enlacées en mélodie mêlée m'ouvrent grand la porte pour me rendre plus forte. Toi et moi dans le la, moi et toi dans le fa, au creux de cette chanson, de cette nouvelle saison. Un geste, un mot de toi, tes yeux, ta bouche, ta main, un regard pour demain, chavire-moi de câlin. Un geste, un mot de toi, tes yeux, ta bouche, ta main, je t'emmène loin d'ici, dans ma planète infinie. Attaché aux années sans permission accordée, on n'a plus à cacher cette envie de s'aimer. Un geste, un mot de toi, tes yeux, ta bouche, ta main, un regard pour demain, chavire-moi de câlin. Un geste, un mot de toi, tes yeux, ta bouche, ta main, je t'emmène loin d'ici, dans ma planète infinie. Un geste, un mot de toi, tes yeux, ta bouche, ta main, je t'emmène loin d'ici, dans ma planète infinie. C'était magnifique, on est dans l'amour, là, on est plein dans l'amour, et on reste ensemble, et on va écouter Être avec toi. À tout de suite. Merci. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Donne-moi la couleur de ton cœur pour que je suive cette ligne qui mène à tes sentiments, qui résonne au fond de moi. Donne-moi la couleur de tes yeux comme un cadeau sans un adieu, une caresse de tes cheveux comme un nuage dans un ciel bleu. Reste avec moi, tel un voleur, prends tout de moi jusqu'à famine. Je me donne à toi comme un torrent, je veux tout ça rien que pour toi. Je veux toujours avoir ce feu pour partager ce que tu veux. C'est pas facile d'être amoureux et se suivre jusqu'au bout des cieux. Je veux être avec toi pour ne penser qu'à toi, sans rêve et sans pourquoi, juste pour toi et moi. Je veux être avec toi sans rime et sans tracas, un petit rien de nous deux pour nous rendre très heureux. Avec toi pour ne penser qu'à toi, sans rêve et sans pourquoi, juste pour toi et moi. Je veux être avec toi sans rime et sans tracas,
n'est-il rien de nous deux pour nous rendre très heureux. Avec toi pour ne penser qu'à toi, sans rêve et sans pourquoi, juste pour toi et moi. Je veux être avec toi sans rime et sans tracas, un petit rien de nous deux pour nous rendre très heureux. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Nous sommes ensemble dans le studio de Souvenir FM à Souston, en direct, en compagnie de Miami Song. Alors, je sens bien que vous êtes impatient de retourner sur scène. Oh oui. Ah oui, je pense que nous Est-ce que vous avez déjà des dates? Pour l'instant, tout est bloqué. Hein. Oui. Tout est malheureusement bloqué. Il y a des prémices de dates qui pourraient nous être proposées, mais suivant la situation sanitaire, tout est bloqué actuellement. Mais on attend d'être contacté. Mais vous avez quand même un bébé en cours. Ah, mais voilà. Voilà la belle histoire. On a un bébé en cours. Et je pense que là, la naissance du bébé ne saurait tarder. D'un CD, hein. Voilà. Oui, bien sûr. Je précise. Non, parce que, mesdames, vous parlez de bébé, mais. Donc, on va peut-être pas fixer de date parce que là encore, avec la situation. Non, vous êtes à combien de mois, là? Ça ne saurait tarder quand même, hein. Moi, je dirais huitième mois. Ah oui, d'accord. Donc, c'est la délivrance bientôt. Ah, c'est ouais, super. Oui, c'est de la grande super. Délivrance et on va enfin pouvoir donner libre cours à ce dont on a envie, c'est-à-dire faire partager toutes nos compositions. Eh bien, justement, moi, je propose que vous partagiez encore une de vos compositions. C'est gentil. Il faut que je fasse tourner profitez, la guitare. Profitez, et nous on profite aussi vu qu'on n'a pas accès au Alors, spectacle. On vous invite dans la maison du bonheur. Ah. On vous y attend. Avec plaisir. J'ai tout rangé, tout éclairé, tout parfumé pour un chez toi, pour un chez nous. Grand ou petit pour notre vie, en harmonie de nos envies, pour un chez nous. Inspiration et création, une passion en partition. Pour un chez nous. J'ai tout rangé, tout éclairé, tout parfumé. Pour un chez toi, pour un chez nous. Je t'attends, prends pas tout le temps. Tu me diras à quel moment. Mesure de temps ou assis-temps. Je t'attends, prends pas tout le temps. Tu viens comment, comme le vent. Dis, arrête-toi maintenant. T'as dit dame, 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 je me sens bien chez toi. T'as dit dame, 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 heureux d'être ici à Souvenir FM. J'ai terminé, rideau tiré, soleil rentré sans une clé, pour un chez nous. Bout du sentier pour pas tromper, des notes au sol sont accrochées, pour un chez nous. Se reposer, se réchauffer, puis apprendre à aimer, comme un chez nous. J'ai tout rangé, tout éclairé, tout parfumé, pour un chez toi, pour un chez nous. Je t'attends, prends pas tout le temps, tu me diras à quel moment. Mesure de temps ou assis-temps. Je t'attends, prends pas tout le temps, tu viens comment, comme le vent. Dis, arrête-toi maintenant.
Daddy dam, 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 je me sens bien chez toi. Daddy dam, 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 contente d'être ici avec vous. J'ai tout rangé, tout éclairé, tout parfumé pour un chez toi, pour un chez nous. Grand ou petit pour notre vie, en harmonie de nos envies, pour un chez nous. Inspiration et création, une passion en partition, pour un chez nous. J'ai tout rangé, tout éclairé, tout parfumé pour un chez toi, pour un chez nous. Je t'attends, prends pas tout le temps, tu me diras à quel moment. Mesure de temps ou assis-temps. Je t'attends, prends pas tout le temps, tu viens comment, comme le vent. Dis, arrête-toi maintenant. Bravo, bravo. C'est agréable d'être avec vous. On merci passe vraiment pour vos applaudissements. Ça fait plaisir. On n'en a pas entendu depuis longtemps. Donc c'est merci, vrai, merci. C'est vrai. Ça fait chaud. Voilà. En tout cas, c'est vraiment agréable. Vraiment, on espère que... On fait travailler nos deux voix, comme vous vous en rendez compte sur cette chanson aussi. Que les spectacles, oui, c'est ça. Vous êtes à deux, vous êtes bien, vous faites partager. On fait une petite pause sur tout ça, avec toutes ces émotions. Ça marche. À tout de suite sur Souvenir FM à Souston. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Souvenir FM. Tous les tubes d'hier et aujourd'hui sur une seule radio. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Et nous sommes toujours en direct dans le studio de Souvenir FM à Souston. Vous nous écoutez sur la fréquence 97 ou via le site internet souvenirfm.fr. Et aujourd'hui, on est avec Miami, hein, Miami Song, hein, pas Miami, mais à Souston. Avec Myriam et Michel, vous nous avez vraiment fait rêver, c'est douceur, amour, humour, vous êtes complet finalement, on travaille dans ce sens-là. Voilà, en tout cas on travaille pour nous donner déjà du plaisir et puis pour donner du plaisir au maximum de personnes, c'est bien, merci pour ces compliments. Et surtout vous êtes complet à deux, c'est vraiment l'union fait la force et l'union fait l'émotion, l'union fait le partage. Vous avez vraiment un art intéressant et on est impatients de vous écouter déjà avec le CD qui va sortir bientôt dans 2 mois, mais aussi avec les futurs spectacles qu'on espère nombreux. Alors on fait un appel aux salles aussi qui peuvent vous accueillir aussi. Oui, on préfère aller dans les salles, dans les mairies, qui ont des salles, qui vraiment peuvent nous accueillir, pourront nous accueillir le plus tôt possible. Ça, c'est ce que l'on souhaite un maximum, parce que c'est vrai qu'actuellement, tout est bloqué de tous les côtés. Espérons que nous reprendrons ce chemin-là le plus rapidement possible. Moi, je suis convaincue que ça ne saurait tarder. Et voilà, et on va vous suivre. Et où on peut vous suivre? Où qu'on vous contacte? Alors, c'est Michel qui va vous donner toutes déjà, les coordonnées. Déjà, pour nous suivre, nous avons le site sur YouTube, Miami Song. Donc, Miami avec un Y, M-Y-A-M-I. Et sur Facebook et sur Instagram. Sur Facebook, nous avons la page Miami Song. Et sinon, pour nous contacter avec une adresse mail, c'est en minuscule, c'est Miami Song tout attaché. @gmail.com, miamisong@gmail.com. Et en me contactant sur Facebook, en nous contactant sur Facebook, c'est possible sur Messenger. Oui, sur Facebook aussi, il y a des vidéos de vous. Plein de vidéos. Si on veut vous écouter, on met un casque et voilà, on se plonge. Des vidéos, des photos, voilà, on essaye de... Alors, on peut suivre un petit peu le cheminement que nous avons fait parce que... Il y a le début où le son, les enregistrements n'étaient peut-être pas extraordinaires. Puis petit à petit, il y a du progrès aussi. Nous enregistrons parfois dans des studios. Et donc, le son est quand même nettement meilleur. En tout cas, je vous remercie d'être venu me voir, d'avoir chanté en direct. Hein. Pour moi, c'était une première d'inviter des artistes qui chantent en direct. C'était vraiment super agréable. Merci. C'est vraiment vivant. Moi, je me suis bien amusée et j'espère que vous allez revenir ici. Quand nous espérons de tout cœur. Avec plaisir. Encore nous merci. Avons, merci, moi, beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, mais je me permets de le dire à l'antenne, vous avez une voix qui est super. À un moment, je me serais cru
avec Mireille Dumas. Ouais, c'est vraiment interviewé par Mireille Dumas. C'est un honneur, oui, tout à fait. J'aime beaucoup en plus. Mais donc, c'est un plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Donc, vraiment, c'était une bonne. J'ai passé une bonne matinée. J'espère que nous nous reverrons, vraiment. Oui, vraiment. Bah, moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Frédéric. Au revoir. Merci à Souvenir FM. Oui. Avec grand plaisir. Et le programme continue, notamment ce week-end avec Franck tout le week-end de 7 à 9 et puis Eric tout le week-end et Franck de 7 à 9. Quant à cette journée, vous m'avez ému là. Super, ça marche. C'était sincère en plus, c'était sincère. Et la suite du programme avec Romuald jusqu'à 16h. Et puis Christophe, jusqu'à 20h. Je vous souhaite un très bon week-end. Quant à nous, on se retrouve lundi pour une autre émission de l'invité du 12-13. Bon Merci week-end. Frédéric. Au revoir. Merci. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end. Au revoir.